Zéro tolérance contre la corruption. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Tels sont les mots, telles sont les paroles prononcées par le premier ministre haïtien, Gary Conille, lors de son installation. Dans le discours du premier ministre haïtien, Gary Conille, nous ne sommes pas marcher, Moyo. Nous ne sommes pas tremblés pour te adresser avec le ministre, pour te dire, bataille contre la corruption, libre cheval, bataille. Dans le gouvernement, c'est la priorité du gouvernement. Sac pas content embarqué, sac fâché, fâché, râle wash, voye wash, tire ton y a fait sauvle, Gary Conille dit, libre le mettre nègre en bas code. Nègre cap dilapide l'argent pays ya. Nèg ki gen en bas men yo matériel l'état ki pa jom d'accord pour te retourner malgré ultimatum qui t'a annoncé dans jour passé yo côté gouban nèg ak femme ki gen matériel l'état dans men yo yo pas décidé pour te retourner Gary Conille dit la marché prend yo Gary Conille dit à la guerre comme à la guerre et monsieur dans discours hier madame monsieur monsieur dit en 2012 li t'ai quitté primature là avec la honte avec la tête baissée avec frustration, mais il dit, je dis, la farine n'a pas vu dans le même sac. Nous sommes dit, bataille n'a pas même genre. Elle promet, peuple haïtien, un pile changement, un pile cause pour le parler, mesdames, messieurs. En dans l'émission, ça encore une fois, nous avons une possibilité pour tendre, yon mosso, dans le discours Gary Conille qui t'a adressé lui avec peuple là et qui t'a adressé légalement avec ministre, nouveau ministre, ministre que lui-même lui choisit, que un pile dans yo, c'est lui-même qui choisit, qui va le prendre, bac pays là. Plusieurs organisations sociopolitiques ou bien plusieurs organisations femmes, yo continue à pleuver voyo. Yo continue à dénoncer la nomination de madame Marie-Françoise Suzan comme étant ministre à la condition féminine. Mesdames, yo di yo pa konn kote femme sa sorti. Yo pa konn si son l'oreille qui kalel. Yo pa konn si son parachute ki la gèl kote li la, yo pa konn kote l sorti, yo pa konn si États-Unis vo el, yo pa konn ki yes ki vo el, se gade yo gade, son ti coup de pied yo ba yo et puis yo sont tombé là. A pile question à poser, est-ce que y a toujours que madame ça ou bien y a bien pour yo remplacer l? Rete là mesdames messieurs, nous va le bon détail, nous va le bon son, nous va le bon image, nous va exactement tout ça qui a passé parce qu'on connaît ses forces nous ça. Et ça n'habitue fait. À chaque émission, nous voter ba ou actualité exactement. Je l'ai passé. Comment situation y est là dans Jacques Mel? Nous songez plusieurs agents UDMO, ils ont décidé de camper travail pour dénoncer commissaire ou bien pour dénoncer directeur départemental Jacques Mel là. N'a parlé de Serge Alain Jolicoeur. Ou dans le coup de ça qui passe, nous allons voir le détail. Regardez, pas raté parti ça non? Ou mettre raté toute partie dans l'émission, mais pas raté parti ça. Ce bon oligarque dans Jacques Mel. Ce bon oligarque dans Sud-Est, mesdames, messieurs, qui campe de mouvement ça. Et m'bral bon tout détail, m'bral zoomé ça qui a passé. Pour payer sa sortie dans sa là, pas oublier m'di, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la chirurgie sociale, mesdames, messieurs. Faut que nous d'accord assassiner un série de monde. Faut que nous d'accord mettre un série de monde dans prison. Faut que nous d'accord passer au fil de l'épée. Et tout autant pour qu'on prête pour nous faire sacrifice ça. Nous pouvons prêter pour Haïti à changer. Nous pouvons prêter pour nous retirer Haïti côté là. Tout autant pour qu'on prête, mesdames, messieurs, pour nous éliminer une série de monde. Parce que c'est eux-mêmes qui mettent pays en conditions difficiles liées là. Dans la situation pays est là, c'est là dans yo même, yo fait beurre pa yo, c'est là yo senti yo à l'aise. Et dans la situation ça yo même, vous comprenez moi, yo joine tout ça yo besoin, mesdames messieurs. Nous dit plusieurs organisations forment déjà planter piquet yo et c'est chaque jour, OK, pour yo capable demander révocation ou bien remplacement Marie Suzan ou bien Marie Françoise Suzan dans tête ministère à la condition féminine. La police li termine yo opération, qui passait mercredi 12 juin 2024 là dans Badelma qui depuis dernier temps ça yo c'est véritable var là, c'est véritable attraction, c'est véritable espace mesdames messieurs côté yo dit moun pa proche. C'est là policier Utag yo té mouri et la police décide mener opération mesdames messieurs. Donc n'attend parce que bilan yo pas si positif que ça non, OK, n'attend pour nous connaître exactement comment ça est. La police encore une fois en deuil. Inspecteur Antoine Joachim, que tout le monde connaît. Pas grand monde qui connaît fréquenter ou tabar. Gérald Bataille, Kafou Fleurio, Kafou Rita, pour pas qu'on inspecteur Joachim.
Nous sommes les villes nèg exam de fin kidnappé en janvier. Depuis le ça, inspecteur a pas de jamais retourné dans lui-même. Inspecteur a été tombé malade. Et ben drôlement, hein? Lundi, oui, mercredi qui c'est 12 juin 2024. Là, pendant la police a fêté 29e anniversaire, li, nouvelle la tombé. Inspecteur Joachim, monsieur pas parmi nous encore. Monsieur mouri. Et ceci t'en est bien. Faute de soins. Mais ça paye. Est-ce que Gary Conny comprend? Grand défi qui est devant là. Est-ce que monsieur reconnaît? Bataille qui est maintenant là, c'est pour une petite bataille liée. Monsieur a une responsabilité, mesdames, messieurs, pour coller les tissus. Tissus sociaux qui déchirés. Monsieur a une responsabilité, ça oui, pour le recoller. Pour le recoller tout. Parce que nation déchirée en mille morceaux. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous? Je suis content d'entrer la caillou. Ça fait un pile plaisir nous entrer la caillou, nous allons parler, nous allons discuter, nous allons dialoguer, nous allons porter actualité à Baou. Exactement. Je la passe, je suis content ensemble avec vous, ça fait gros plaisir, oui. Est-ce que vous abonnez déjà? Ou même qui peut faire ça, mais vite, vous faites ça, kounya la même. Ou rentrer la caillou avec Zami ou Esdras Fizeme. Et nous avons tous les amis, tous les fanatiques. Il y a des gens qui sont tellement prudents, il y a des gens qui tellement prennent le temps, pour regarder Chanel là. Gemoun même si là n'importe petit mot qui manquait, yo t'a courrier écrit nous Esdras, mon cher, il y a quelque chose, il y a une erreur là. Regarde bien ce que tu dis, ce que tu écris. Mon cher, félicitations à toute fanatique ça yo. Gemoun qui connait Goubouchou. Nous toujours dit yo, mon nous fait choix de Haïti réflexion, ça veut dire connait Goubouchou. On vit tant de bon bagaille et c'est ça qu'il faut faire choix de nous. Est-ce que tu chez ou là déjà? Montrez-moi nos commentaires. Hein? Bon moi like là. Montrez-moi où là ou bon côté maintenant. Passez-moi dans tête pour moi là. Parce qu'on n'aime pas qu'à faire émission ensemble, c'est ensemble pour nous avancer, mesdames, messieurs. Restez connectés ensemble avec nous pour nous savoir quand pile les autres, nous pourrons le développer ensemble avec vous. Pas oublier, partager, hein, pendant la propose là, pour profiter, partager, faire un autre ami qu'on aime ça qui a passé, groupe Facebook, groupe WhatsApp, pour vous, y'a tout y'a besoin qu'on ait quelque part, grand pile bagage sérieux qu'a dit là. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs, pas déplacer, n'a pas retourné, n'a yon badje. De retour après la pause, merci en pile parce que vous avez toujours été connecté ensemble avec nous pour confiance, pour patience. Merci pour fidélité, merci parce que vous prêtez nous oreilles. Oreilles qui sont très importantes pour vous décider de confier nous. En pile love. En pile bisous pour mesdames yo, et puis monsieur, yo, papa chou nous. Nous entrons la caillou, tout feu, tout flamme. Gary Conny, monsieur décidé de dire que bataille, il peut mener en bataille, et bataille, il peut mener, mesdames, messieurs, c'est bataille contre la corruption. À ne pas oublier, dit la Bible. La corruption ne fait que périr une nation. Et la justice lui-même, lui élever la nation. Quel que soit pays qui a fonctionné, depuis, il n'a pas combattre la corruption. Pays, ça, c'est garder la loi comme on l'a dégringolé. Gary Conny peut-être comprendre ça. Nous avons un plus gros problème Haïti quand on a parlé là, c'est la corruption. Jovenel Moïse t'es bien identifié ça. Qui fait là, monsieur, t'as parlé, monsieur, t'as identifié la corruption, mesdames, messieurs, comme la peste qui empêchait le pays à avancer. Et quand pile monde qui t'est passé, monsieur, dans t'es t'es dit ça, monsieur, raconté là, etc. Jovenel Moïse, là, il t'a décidé de mener bataille contre la corruption. Gary Conny dit, zéro tolérance contre la corruption. Monsieur dit, bataille contre la corruption, c'est pour la priorité du gouvernement. Non. Donc ça veut dire, tout nègre femme qui pense avec la corruption, il va continuer à bambiler, gagoter, piller tout si ressources pays. Monsieur dit, comme là. Monsieur dit, il va mener une bataille acharnée contre nous. La grande question, est-ce que monsieur a réussi? La grande question, est-ce que nous avons une possibilité de gourmer contre malandré ça yo? Là nous tous nous connaissons qualité puissance moun sa yo. Là nous tous nous connaissons qualité force moun sa yo genye. Nous invitons à tendre, mesdames, messieurs, yon bout dans discours Gary Conny lors de son installation, mesdames, messieurs, le mercredi 12 juin 2024. Nous invitons à suivre comment ça te yé.
Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. N'a pas des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi dans l'avenir. Parce que les pi fait noir, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie tant et bada. M'a dit nous ça avec force conviction. Nous sommes un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous sommes pas un gros peuple sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a été fierté, depuis qu'il y a une force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jam, nous n'avons pas arrivé loin. Pour moi-même, je vais nous garantir que moi paré pour me goumer. Pays a tout paré pour me goumer. Pays a tout moi pour me corriger conseil présidentiel là le travail l'a fait pour tout haïtien qui vivent à cœur posé dans un pays qui uni qui gagne sécurité côté nous tout ensemble pour te coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi
en l'avenir. Quand la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, haïtiens tout partout sous la terre, moi je voulais couper bien bas pour vous remercier nous pour confiance nous placer dans moi. Le moment difficile ça côté l'espoir te voulait faire. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple là. Famio, jeunesse là, diaspora, tout haïtien à la one badé, tout côté sous la terre. Nous voulons faire ça nous capable pour nous faire lumière, vie nous pour nous faire l'espoir bourgeonner. Moi je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'inspire l'amour et lui fait quoi que pas grand rien qui est impossible, là nous mettons tête nous ensemble. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, les propos de notre premier ministre, Gary Conille. Espérez, monsieur, comprendre réellement gravité qui est là. Espérez, monsieur, comprendre dans quel niveau corruption a gangrené le pays. Mais espérez, monsieur, comprendre dans toute dimension que j'ai lié. Dans cette institution, dans cette direction générale, la corruption a prégné en maître des lieux. Faut que monsieur mène combat ça. Ou bataille ou tande ki gen la nan Jacques Mel la, mwen bon onze. Bataille ou tande gen Jacques Mel la la, ou policier Udmo, leve kampe, yo di ou pa bezwen directeur départemental la. Hey, ou saisi tande. Tout sa y'a pou reproche directeur. Nan yo pa ka reproche directeur a rien. Yo chache yon alibi parce que faut que yo jwenn yon réseau pour yo cacher de sa y'a di. Ou konn sa yo di? Yo di, tande bien oui, le peuple. Yo di directeur a fait yo travail. Yo ti directeur fait au travail en plus, li pa bay yo prime de risque etc. Mais écoutez, qui ou non policier pas travail? Est-ce que directeur fait au travail non l'heure qui parle pas ou? Non. Est-ce que il faut travail dans jour congé ou? Non, il faut travail dans jour travail ou? On va l'expliquer nous bagay la mais qui s'allier. Ouais, inspecteur. Inspecteur ou bien commissaire en dit et directeur départemental et sud-est là. Monsieur le Serge Alain Jolicoeur. Tout sorte de cap dit de monsieur, c'est pas vrai, tendez bien. C'est oligarchie qui dans sud-est dans Jacques Mel en particulier. Dame nous vous oreilles nous pour nous comprendre ça m'a dit. C'est au même cap mené bataille contre commissaire. Parce que commissaire monté, il pas gain contrôle commissaire. Et là monsieur monté, monsieur gon bataille monsieur mené contre bandi dans Jacques Mel. Mande moun Jacques Mel ya dou jodi an la. Ki kietude d'esprit moun Jacques Mel genye. Moun Jacques Mel sorti l'œil ou vle jodi an la. Mande moun Jacques Mel. Par contre, combien moun Jacques Mel ki la. En bas vidéo la kap tande. Contact tout moun. Mande l. Comment situation sécurité a y actuellement la nan Jacques Mel? Et puis, monsieur a bon nouvelle. Moun na bon nouvelle. Depuis là, monsieur monte ya. Monsieur Maré bandit. Monsieur pas collé boudan ensemble avec oligarque qui dans Jacques Melio. Yo pas gagne contrôle monsieur. Donc le fait que yo pas gagne contrôle monsieur, yo pas ka modérer monsieur, yo pas ka acheter monsieur. Donc avec malgré yo gagne l'argent c'est vrai, mais monsieur pas laisser acheter par eux même. Et même pour qui ça bataille la mener. Policier Udmo
qui dans Jacmel, c'est chaque samedi, il prend payroll dans mes oligarques qui dans Jacmel, yo bombe m'a bol almeni enquête pour ou ouais samedi là. Almeni enquête. Tenez bien, chaque samedi, policier Udbon yo, yo qui payroll il prend dans mes oligarques qui dans Jacmel. Mais pour qui ça, il y a mené bataille là. Oligarchie, oligarque qui dans Jacmel ou qui dans Sud-Est, yo n'y a pas de contrôle commissaire. Comme ça a commencé à marrer une série de gangs. Comme ça a commencé à touiller une série de gangs. Pas oublier oligarchie haïtienne, non. Yo repose yo sous gang. Secteur privé dans Jacmel repose yo sous gang. Mais pour qui ça pile lever campé, oui? Mais pour qui ça toute bataille autant de gangs dans Jacmel, policier Udmo a reproché monsieur, a dit monsieur a mal géré, menti. Bon, bon, bon. Pas bon organisation de l'homme nous dans Jacmel qui a dénoncé, qui a dit monsieur a mal géré. Bon, comment vous comprenez? Policier a dit nèg la pas bon, et puis population li m'a marché avec nèg la. Mais vous comprenez ça, m'abdou la, oui? Pendant policier a dit monsieur pas bon, faut qu'il remplace elle, population li même prend la rue, population dit c'est monsieur yon vle. Et bagay ça te mette une grosse altercation entre population seulement avec policier Jacmel. Magistrat obligé d'intervenir dans bagay ça. Magistrat obligé placer mon pal pour le demander population pour le poser sans y gérer tout bagay. Et au même bay ultimatum. Yo dit fuck commissaire retourner dans poste parce que monsieur qui t'a bay vague lui même. Monsieur qui t'a dit bon lui même li bay vague li pas dans tête na za yo. Parce que quand on a mis une bataille en faveur au pays et puis on lever contre lui comme ça. C'est pour nous montrer dans quel niveau corruption hein. Li kagrené et dans la police ça pas un vetting qui fait, nous pas prendre rien. En pile dans policier Udmo sa yo, y habitué tout le monde pour oligarque yo dans Jacmel. En pile dans yo, habitué arrêter moun pour yo, pour oligarque yo. Depuis oligarque là, qui problème avec yo moun? Li crée les tel policier là, la gay monsieur dans dépôt pour moi avec commissaire ça. Yo pas ka fèl. Nèg Udmo son ba nèg yo té qu'on a brassé moun sous tout Jacmel. Monsieur dit pas gen bagay comme ça. Monsieur dit pas un quoi d'être comme ça. Mais pour qui ça yon kopé kote monsieur Harry? Mais pour qui ça pile levé kopé tande Harry? Tande bien, des policiers, yon kopé yon dit monsieur mal administré pourtant c'est pas jambre. Et mais selon toute information m'yeye, son l'autre nèg yon besoin mette comme commissaire Jacmel nèg ça, c'est yon ancien militaire lié. M'a vina tout nou monsieur Boui. M'a vina vina avec lui nous l'autre émission. Ok? Monsieur c'est ancien militaire lié. C'est monsieur nèg yon besoin mette. Jacmel, pour monsieur continuer avec corruption, et puis pour que oligarchie Jacmel là pour continuer persister dans la corruption, y a mené pour acheter commune, dans mené bandit dans commune, faire ça yole. Alors ça, vous ne pas dénoncer? Vous ne pas dénoncer? Alors l'on est venu là parler de corruption. Corruption dans le pays, mesdames et messieurs, tout boit l'État yon gil. Et c'est ça que m'dit mon espéré, Gary Koni comprendre. Sous terre, il y a aventuré là. Mais espérez monsieur comprendre danger ou bien gros défi qui est devant là pour lever. Et pas de cause nous qui là. Plusieurs organisations femmes ont levé voix pour dénoncer, pour critiquer le choix de Marie-Françoise Suzan, qui est actuelle ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Bon, mesdames, vous dites vous-même qui êtes dans la rue. Kap manifeste, kap defend, doa, fom, etc. Et puis c'est gade, yon un louga ou atterri sou yo, et puis c'est tende, louga ou ça, c'est lui même qui va le diriger yo. Mesdames, yon dit, yon pa jam sezi kon sa dans toute vie yo, le yon tende, c'est dame sa. Yon dit, tout enquête yon mené, yon pa jen yon green moon qui reconnaît dame nan. Bah, ça, fon corrige, bah, ça, mes amis. Mesdames, yon dit, tout côté yon passe, tout côté yon mené enquête. Yo va jwenn nou grand moun même mon seul non. Yo va jwenn nou grand moun même qui dit oui yo reconnaître dame nan. Et dans sens ça yo mandé pour Gary Koni rectifier choix le faire parce que yo dit yo même moun k'ap gen pour diriger ministère à la condition féminine, faut que c'est moun qui habitué avec boîte là, faut que c'est moun qui et même Jean Gary Koni te dit donc on moun k'ap gen pour diriger on boîte donc faut que moun nan il était en administration publique là déjà, faut que li konn boîte là et donc mesdames ça yo levé voix yo et yo annoncé, yo persister même pour continuer à prendre la rouille si toutefois revendication yo pas satisfait. Nous invitons ou suivre mesdames messieurs intervention plusieurs nan yo qui t'a dénoncé le choix de Marie-Françoise Suzan qui c'est actuelle ministre à la condition féminine. Nous invitons ou suivre. Nous venons là aujourd'hui pour nous venir dire que
femme ça que yo placé que CPJ il mettait comme ancien ménage li ou bien comme ménage qu'elle gagne depuis le sénateur dans tête ministère condition femme nan nous vinn dénoncer parce que après micro trop droit nous fait depuis hier n'a fait mouvement n'a chercher contre qui moun fille a pas gros femme dans secteur connait nous pensons que li important après bataille nous fin faire là on te fin retirer ministère de fusionner avec affaires sociales nous mener gros bataille pour nous kembe ministère là fait de faire goumer avec tout allié dans tout pays dans tout international n'a goumer pour kembe ministère nous pas goumer pour politicien te venir mettre petit ménage là-dedans nous te goumer c'est pour son femme qui dans secteur on femme qui connait lutte femme on femme qui bataille pour femme qui pour te venir pour te venir prendre tête ministère pour redresser ministère depuis après Marie Laurence son paquet femme qui vient dans ministère qui vient représenter parti politique nous même nous venir là aujourd'hui hein, c'est pour nous venir demander nous bouquer avec quels sont ces partis politiques qui représenter nous voulons nous même en tant que féministes en tant qu'activistes en tant que femmes qui bataille pour droit femmes nous voulons nous même qui pour nous représenter dans le ministère c'est femmes qui connaissent douleur femmes yo femmes qui connaissent chita al souterrain madame Sarah yo faut nous jeune des femmes qui connaissent douleur moun sa yo madame Sarah yo a plaigné yo toujours utilisé yo pour y mobiliser politiciens utilisé yo là besoin régler affaires personnelles yo mais yo pas jamais fait rien pour yo parce que yo pas jamais vraiment gagner des monde qui représenter yo nous voulons jodi à ces monde qui semblent avec nous pour représenter nous monde qui a bataille pour nous pour représenter nous et monde qui connaît douleur nous pour représenter nous alors sitting ça c'est fait de fait spécial qui vient faire aussi c'est fait de fait avec un paquet d'autres organisations nous avons un paquet d'autres organisations qui là qui vient représenter fait de fait qui vient supporter fait de fait alors si que monde n'a pas sorti dans mitan nous qui problème ça capable poser si monde d'accord pour le travail avec nous le plus souvent nous prenons bagaille dans pied ça depuis combien d'années nous toujours des femmes que c'est parti politique qui voyait yo yo dit nous c'est femmes yo y a travaillé avec nous là yo arrivé dans ministère yo dit yo pas gère redevance envers nous parce que c'est politique yo vinn faire faut yo joindre moyen pour yo bail parti politique yo nous même revendication pas nous pas jamais passer bataille n'a mené pas jamais arrivé loin jodi a nous vini nous dit nous voulons son femme qui habite collaborer avec nous yo femme qui connaît misère femme dans secteur yo femme qui semble avec nous yo femme qui ça qui connaît qui sa femme prostituée dans la rue a subi yo femme qui connaît qui sa femme y a bat dans la rue femme jamais dodo yo nous vinn parler pour yo tout femme qui pas manger pour yo manger femme qui a 3 4 5 jours petite yo qui pas capable manger nous vinn parler pour yo parce que nous besoin des femmes qui connaît yo qui ca identifier yo qui ca chita avec yo qui habitué travailler avec yo qui connaît qui revendication yo gagné là nous pour une femme qui sorti dans un parti politique qui habitué chita avec mari la caresser mari dans caille qui pas connaît qui ça crée les misères femmes femme ça alors femme paraît devant venir raconter misère c'est dans la brin sous qui c'est dans qui secteur elle sorti qui est-ce qui choisit dans qui secteur elle sorti c'est exactement ça qui problème nous femme dans celle ça que nous gagnons sous comme information c'est que c'est ménage elle même nous nous pas connaît que lié on sait que Françoise Suzanne c'est elle sorti dans notre dans média nous connons dans les Françoise Suzanne ménage CP Gilles Gérard Gilles qui est dans CPA représentant 21 décembre c'est dans secteur 21 décembre sorti bon pas connait mais c'est dans ensemble dans secteur Gilles là sorti donc soit déjà avec qui côté n'a privé avec combat ça n'a privé côté pour rivé n'a privé jusqu'au bout ultimatum m'a voyé jusqu'au bout nous même jodi a nous vini là nous gagne un paquet organisation femme qui campé nous vini dire nous pas travail by choix galonné nous voulons faire droit femme respectée les femmes si mon yo choisi 14 ministères dans 14 ministères sont seuls qui pour femme yo et c'est pas cadeau faire nous cadeau c'est sous sang nous yo passé c'est misère c'est bataille nous bataille pour nous gagner qu'il y avait pas qu'à dire tout c'est petit ménage y a bailli comme récompense ça c'est manque d'égard avec secteur c'est humiliation pour nous en tant que femme dans pays qui représente 52% de notre population je dis à la nous venons pour nous rappeler, pour nous dire c'est Pégile, que c'est dans la misère qui est ensemble avec nous. Nous ne faisons pas qu'être dans la balle humiliation sous terre ensemble avec nous. C'est pas pour nous arriver là, pour nous oublier que ce peuple a subi. C'est pour prendre conscience, pour le connaître. Parce que c'est pour gérer madame Nian Ladan. C'est pour le balle au poste dans le cabinet. Mais ce n'est pas le ministère nous pour le faire. Nous pas bataille contre PM. C'est une bataille qui a fait dans le contexte parce que les femmes sont sorties pour venir ministre.
condition féminine. Et je ne dis nous pas d'accord. Le Premier ministre a dit un bagaille. Il y a plus de femmes dans le gouvernement. Là, nous fait constat, ça le dit, il n'est pas respecté. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous suivons de près de tout ce qu'a fait. Nous disons non, nous ne pouvons pas accepter ça passer, je ne dis. Parce que nous-mêmes, l'organisation femmes, la fédération femmes, nous bataillons trop pour ça arriver, je ne dis. Go bagaille tout, mesdames, vous manquez comprendre. Le gars qui a dit qu'il y a plus de femmes dans le gouvernement, il n'a pas dit dans le gouvernement qu'il y a plus de femmes que garçons. Il a dit dans le gouvernement ça, qu'il y a plus de femmes par rapport avec ça que tu as déjà. Vous avez mal compris ce bagaille là. Dans le gouvernement qui s'est passé là, combien de femmes qui étaient là-dedans? Hein? Donc, PM gars qui a dit par rapport avec le gouvernement que tu as déjà, pral gen plus femmes qui représentent dans le gouvernement ça. Mais le pas dit gouvernement qui est là, pral gon paquet de femmes, nous pral gen plus femmes pas ces garçons. Bon, mesdames, yon tellement besoin de rentrer, vous comprenez, nous besoin de participer. Bon, donc peut-être que c'est ça que fait, yon tente faire fuite en avant ça, mais c'est pas jam. Exactement, ça, PM Gaye Koni lui-même, il te dit, la police li mené une opération Badelma, Badelma qui, depuis quelques jours, était la grande attraction dans le pays, côté que, et espace ça, mesdames, messieurs, li livré au bandit, côté barbecue Jimmy Cherizier, nous sommes dirigés secteur ça, on dit tambour battant, côté ballon pas bat, des bons policiers pas en bas, des bons civils pas en bas, barbecue mette balle sous lit, et nous songez, non jour passé au dimanche 9 là, côté monsieur, avec association criminelle LIA, yon arrivé touye environ 3 policiers UTAG, et on dit, nan mardi 11, yo arrivé tout, y a plus passé 10 moun nan population civile là qui t'a pas passé dans zone nan ou bien qui t'a pas tenté mener des opérations dans secteur. Donc la police lui-même li tenté mener une opération, mesdames messieurs, mercredi qui était 12 juin 2024 là, Napton bilan yo, Napton porte voix la police là qui parle d'une exactement. Comment ça lui-même li t'est passé. En gamme là, mesdames, messieurs, je vous présente aux émissions ça comme de manière coutumière chaque jour. Chaque fois, nous avons une opportunité pour nous parler, nous toujours faire ensemble avec nous, toujours faire avec joie. Restez connectés ensemble avec nous parce que informer, c'est toujours un plaisir pour nous. Gagner comme fanatique, comme internaute, comme auditeur, c'est toujours un plaisir. Nous saluons toutes fanatiques, toutes amies qui toujours été connectés ensemble avec nous. Ou pas déçu, faites-nous confiance et nous-mêmes, nous informer. Abonnez, partagez, likez. Et c'est ça qui permet de toujours être connecté à toute actualité, à tout ça qui a passé. SDS Fizeme, toujours pour plaisir pour informer. Et bien, avec même vibe, même fougue là, et bien, ou même tout bon côté pas, partagez, likez et puis commentez. Et c'est ça qui permet de être connecté. Bye bye tout le monde. On garde positivité nous. N'a pas croisé prochainement pour une autre vidéo.